peux sortir s'il te plaît? Je suis en train de filmer. T'es en train de faire du bruit. Tu fais du bruit non seulement avec ta PlayStation, on dirait un moteur, plus ta manette, tu fais du bruit avec le joystick. Il respecte rien. Je suis en train de filmer. Il joue à Fortnite à côté de moi. Alors? Ah ouais, il me fout le seum lui. Aucun respect. Bien, cool. Aucun respect dans cette maison. On va faire abstraction, hein, désolé. Si vous avez un bruit de fond, c'est lui. J'espère que vous allez bien, ma famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, pour un vlog. Là, ils vont me dire, ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas posté de vidéo de sketch. Nous, on veut rigoler. Oui, je sais, ça fait longtemps. Ça fait juste 2 semaines, mais j'étais en vacances. J'étais pas là. C'est ça que j'ai fait un vlog. J'ai parti en vacances avec mes potes. Je me suis dit, je respire un peu, mais bon. À chaque fois, quand je pars dans un nouveau pays, je me sens obligé en fait de filmer. Non seulement je le fais pour vous, pour la chaîne, etc., mais je le fais aussi pour moi parce que ça me fait un souvenir. T'as capté ou pas? Du coup, je me suis dit, vlog en Thaïlande. Les Parisiens en Thaïlande. Moi, mes potes. Eh, c'était là. Moi, je voudrais faire une grosse dédicace à Sana de Roubaix, Enzo de Bourgoin-Jallieu, Naïma de Soissy sous Montmorency, Aïcha, Sofiane et Yacine du 54, Alexandre King de Paris. Et pour finir, grosse dédicace à Mathis Dave de Boussy. Merci la famille. Tu peux te taire? Bon, allez, je vous laisse avec le vlog. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est grave devenu ma passion. Et là, je pars pas tout seul, je pars avec mes potes. Pas coucou. Cancer du style. Et Abdel, on va bien rigoler avec ton style, quoi. Ça va être le fiasco ces vacances. Ouais, il a même pas commencé. Donc là on s'est pris un peu à manger. Il a pris 2 sandwichs, t'as bien la dalle. Alors qu'est-ce que t'as pris? Sandwich. Bon appétit. On sent le vide dans son regard. Je sais pas quoi dire. C'est la première fois que je voyage genre avec autant d'amis. J'espère que ça va bien se passer. Et que ça va être très grave. Vraiment bien rigoler. Waouh. Tu cries pas comme ça. Tu ne cries pas comme ça. Bon, là on vient de faire juste 12 heures de vol. On est au bout de notre vie. Tes impressions de ce vol? Épuisant, hyper long. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est dans l'avion. Et j'ai même pas fini encore. Et il fait une chaleur. À un moment donné, c'est pas une chaleur, j'ai tout fait 6 heures du matin. On n'arrive même pas à respirer. C'est toi le malade. C'est toi le malade mental qui n'assume pas. On est arrivé aux Philippines, ça va être notre première destination. Vous êtes bien arrivés? Alors le comble, ce serait que nos valises soient restées à Paris. Arrête. Dieu merci, on a tous nos valises. Parce que flemme d'avoir laissé sa valise à Paris. Alors je vous le dis, c'est ma phobie. On va quoi en aventure complètement de presse. C'est parti pour l'aventure. Franchement, c'est pas mal les Philippines. Donc je vous explique rapidement. Dès qu'on est arrivé, on a tracé, on est parti prendre le bateau avec la voiture qu'on avait louée pour aller sur l'île où on avait rendez-vous. Enfin, on devait s'installer quelques jours. Ça a été le voyage le plus long de ma vie. Mais comme vous avez pu le voir, l'hôtel c'était une dinguerie. Meilleur hôtel de ma vie aussi. Dès qu'on est arrivé, on s'est reposé. On s'est dit, on bouge pas de l'hôtel, on va bien profiter. Comme ça, demain on sera en forme. Bien quoi, les gens? Aujourd'hui, nouvelle aventure. On est à 5 sur une mobilette. Bon. Papa, coucou. On sent pas très en sécurité. Je vis ma meilleure. Complètement taré, j'ai pris ma caméra sur le parachute. C'est vraiment taré. Imaginez, ça tombe. C'est trop bien. En plus, y a pas de vent. Hey, move backward. Move backward. Move backward. Go, go, go. More, 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 more. Okay. Okay. Bye, bye. Bye. Alors là en fait on va faire une visite des îles, ça va être magnifique, j'ai hâte de vous montrer ça. Best day ever. Patou. Back. Patou. Back. Back. Attention. Hop là. Wow. Oh, c'est trop stylé, y'a personne. C'est une île désertique. Koh-Lanta time. L'homme qui porte.
Ok, confessionnal. On a vraiment fini sur une île désertique, je comprends pas. Ils nous ont dit que ça allait trop bien et tout. Y a rien du tout. C'était le dernier jour dans ce magnifique hôtel. Tellement dégoûté de le quitter. Je suis à deux doigts de lâcher une larme. Vous êtes dégoûté de quitter cet hôtel? Franchement là... C'était trop bien. Là faut qu'on se prenne une autre gifle. Là. Ouais. Sinon on va être déçus. C'était trop bien. C'est vraiment magnifique. Franchement comment on était dégoûté de quitter cet hôtel. On devait tracer à l'aéroport, on devait partir à Bangkok. C'était kex là-bas. Ouais la mif, bon, on vient d'arriver à l'aéroport de Mani. Quand je vous dis c'était la course contre la montre, c'est un truc de ouf. On a échappé belle. Là il est quoi là? Y'a plus personne d'ailleurs. Enfin tout c'est comment? Ah bah franchement là j'ai plus de souffle. On fait les derniers petits trucs, les derniers petits bagages. Je crois qu'on est les derniers. Hein. Les derniers de ce vol. Voilà. Mais c'était grave bien le stress comme ça, c'était... Non, c'était pas bien. C'était si on rate le vol, et là je paye. T'aurais payé, t'aurais fait quoi? Ah, j'aurais goûté. Là, je peux vous dire que j'aurais été désagréable. Tu l'es déjà. On vient d'arriver à Bangkok, 3 heures de vol, Mani, Bangkok. Là, il est 2 heures du matin. Ça fait 1h30 clairement qu'on est en train d'essayer d'avoir une voiture de location pour pouvoir rejoindre notre hôtel. Toutes les agences de location ici, il n'y en a pas une qui a une voiture de dispo. La poisse. Arrête de me filmer parce que je vais vraiment pas être temps en fait. Là je suis occupé. T'as dit quoi? Là je suis occupé. T'es occupé? Oui. Tu gazes trop. Ouais, bah, moi je fais trop la meuf. Donc là on va récupérer la voiture et go to the hotel. Il est 3h du matin. On a rien mangé. Super. Mes valises en premier. Mais il est malade lui ou quoi? Vas-y, va jouer à Shawa. Ok. Là ça me dégoûte. Bien évidemment. Franchement qu'ils aillent au diable de faire des trucs comme ça en fait. On a vraiment été victime d'arnaque. Qu'est-ce que t'en penses? Les photos. Je suis dégoûté. Ah, aucun moment on pensait que c'était des lits superposés. À un moment donné de se faire arnaquer, je peux te le dire, ça va 2 minutes 30. Il n'y a pas écrit Polo sur mon front. Welcome to Bangkok. On a dormi à 6h du matin et là actuellement 13h. Ça va, vous allez bien? Ah. Alors, vous la sentez comment cette première journée? Très chaud. Ouais, il fait très très chaud, un four. Je sais pas comment on va faire, je sais pas si on va soulever. On transpire déjà. On va faire du bateau. En fait, c'est un bateau qui t'emmène visiter un espèce de marché, mais sur l'eau. Sympa. Wow, comment ça bouge? Mais nous, gars. C'est ouf, Chinero. C'est là, il fonce sur nous. Vous avez bien mangé? Hors de ma vue, je suis en train de filmer. Bon les gars, après notre petite journée sur le bateau là, sur le marché flottant, rien d'extraordinaire. En plus on s'est fait carotte parce qu'il y avait ni marché flottant ni rien. On nous a juste fait un tour de bateau. Qu'est-ce qu'on s'est fait arnaquer ici en Thaïlande? Je sais pas ce qu'ils ont avec nous mais c'est un truc de ouf. Les Français, on est vraiment pas appréciés. Là du coup on s'est dit on va aller passer une soirée à Pattaya et demain on bouge pour Phuket. Je me demande ce que tu rases avec le peu de poils que t'as sur le duvet. J'ai rien vlogué à Pattaya à part l'hôtel où on était parce qu'on est arrivé en fin d'après-midi. On s'est reposé, on a passé la soirée là-bas, on a mangé, on est sorti vite fait. Après le lendemain, on a pris la route. On avait notre vol pour Phuket. T'as le droit de commenter aussi ce que je fais. Mais toi, mais tu t'opposes. Bien sûr. What is the problem? Tu t'opposes. Please don't try to speak English. Really bad idea. Don't try. Just period. C'est difficile. Now we're going to the next destination. Are you happy? Are you happy? Yeah. Oh putain les galères, on est obligé de commencer à vider les bagages pour essayer de répartir parce qu'on a dépassé les kilos. Galère. Oh là là, on dirait on va en Algérie. Je vais la jeter celle-là, c'est un truc de ouf. Ah oh, on a pas de chance, on se retrouve à devoir payer des excédents de bagages. Non, tu vas où? Non, tu attends. On doit payer 1000 bahts. Oh là là, il va me saouler, je vais le laisser passer parce que voilà, Happily Had Shibani. Comme vous avez pu le voir, que des galères. On a pris le vol, on est arrivé à Phuket, on a pris un taxi jusqu'à l'hôtel, etc. Et comme d'habitude, bah tous les soirs, de toute façon, c'était comme ça. Elle n'a pas de contour. Elle n'a pas de cheveux. Elle n'a pas de cheveux. C'est une perruque. C'est pas toi. C'est une indienne. C'est une indienne. Oh, tu fais tout le chemin dans non, moi, c'est les miens, c'est mes cheveux. Tous les soirs, c'était comme ça, et le lendemain matin, tu les entends plus.
Là on vient d'arriver à la plage où on devait aller, qui s'appelle Serene Beach. On va d'abord grailler parce qu'on a un dalle. Qu'avez-vous pensé de Phuket ? Ça va, beaucoup de français. Le groupe, les amis te conviennent ? J'aimerais bien un cache quelques-uns, mais sinon, okay. Ça va. Très bien. J'espère que j'en fais pas partie. J'ai mal te connaître. Le roi est toujours servi en premier. Voilà. Je vais me régaler. On est parti faire une visite des éléphants. Donc c'est des éléphants en liberté. On va leur donner à manger, on va les laver un petit peu. Ah, c'est trop mignon. Les enfants! C'est tellement la vie! En fait, début de soirée, et on s'est dit avant de rentrer à l'hôtel, on va se faire masser. C'est hyper moche! Très local! Très local! On est vraiment dans le thème! Là, elle m'a installé la petite table de massage. Les massages ici, ils coûtent rien. C'est genre 5 euros, même pas. C'est massage pendant une heure. Thank you. Say hi. Je sais pas si c'est une masseuse ou une cacheuse, mais elle m'effraie. Alors, tu kiffes ? Ça fait grave du bien, trop bien. Sérieux ? C'est à l'huile de coco, ça sent super bon. Donc quoi les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Alors, on va visiter l'île à Koh Phi Phi. Voilà le nom, il me fait galerie. On est défoncé, je suis extrêmement carrière. On va dormir à 4h du matin alors qu'on devait se réveiller à 7h. Ça va Fatou ? Comment vas-tu ? Très bien toi. T'es KO toi ? Oui, aussi. Alors explique-nous un peu la journée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons sur une île qui s'appelle Koh Phi Phi. Mais pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi ta graisse ? J'ai une mouche. Là on va prendre les bateaux. Let's go. Mais l'eau est transparente. On rentre en Lille, on est parti manger, ensuite on a trace à l'hôtel et je vous laisse deviner, comme chaque soir, ce qui se passe. Avant de parler, moi ça ne m'attend même pas. Avant, mais toi, mais ça t'attend pas. Toi, mais sur toi. Mais toi, mais pour toi. J'ai pas fini toute la journée, on s'en fout. Ça a été vraiment les vacances les plus drôles que j'ai passées dans ma vie. Ils sont complètement fous. Ça ne permet pas de parler d'un truc que tu ne connais pas. Et encore moins quand t'as même pas pu comparer ce que t'as quoi. La conversation, ça ne m'a pas écouté. Non, mais c'est pas ça que tu Il a le seum. Bien quoi les gars, bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Alors là il fait une chaleur, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Là on se dirige vers l'activité quad, donc on va faire du quad en fait dans une petite jungle Zahama. Et en fait avec les quads on va monter jusqu'au grand Bouddha. De toute façon je vais vous vlogger tout ça, vous inquiétez pas. Ouais je sais, avec ce cas j'ai la ridicule même. C'est parti, alors dans tous les pays où je suis parti j'ai fait du quad. Je suis un forceur. Qu'est-ce que c'est galère de vlogger et faire du quad en même temps, je vous jure. Premier spot où on s'arrête. Ton nez me cache la vue. Tu peux snapper ta tête avec ton vieux casque de merde, je vois comment t'as trop le seum. Hé Abdel, il est trop lent. C'était pour moi, frère, carrément, à un moment donné, je voulais le dépasser. Mais il était collé à moi, lui. Comment tu peux avoir? Si, j'étais vraiment collé à lui. Et en face, le voilà, le grand Bouddha. Après les phares, le réconfort, la base. Là, il faut changer de vie. Bon, au revoir, bel hôtel. Ce fut notre dernier jour hier, on est un peu dégoûté. On est en train de préparer nos bagages. Mais là, on va payer en plus, hein, parce qu'on est censé partir à midi. Il est 14h. On fait le check-out, on rentre chez nos mères. Donc voilà, on quitte Phuket. Oh, sa gueule, tu là. J'en peux plus, ça calme. Il me gonfle. Ferme-la. Oh, ça y est. Ça va deux minutes. Ferme-la. Le reporter 2.0. Il me gonfle. Ah, on peut voir qu'ils sont très enthousiastes. En tout cas, tu seras bien folle dedans. Que penses-tu de celui-là? C'est un vrai trop long char.
Oui, je suis bon, aille. Mais frère, on a le truc à 21h. Ouais, mais on dépose nos valises après. On peut pas, c'est pas. Et il n'y a pas d'avion encore. Mais t'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Mais t'es qui? Je viens de demander à l'intérieur. Je pense que c'est la dernière fois que je pars en voyage avec eux. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez un aperçu comment ça se passe quand je pars en vacances avec eux. Sinon, vous allez bien? Super. Alors, elle est vraiment folle. Elle est vraiment, elle est complètement malade. Regardez comment elle fait. Elle a des manières de folle. C'est ma boucle en terre. Salut les amis. Du coup, vous êtes arrivés où là? Ils en peuvent plus de moi, c'est trop drôle. Alors, t'as passé un bon voyage? Hello. Hi. Ils ont l'air très contents de participer à ce vlog. Je pense que je ne referai jamais de vlog avec eux. Comme ça, vous êtes prévenus. Son chaos. Qu'est-ce que je suis content de plus voir ta gueule après? Moi donc. J'attendais que ça. Tu veux venir filmer, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'ils sont désagréables. Je voyage plus avec eux. Le retour il s'est fait en deux jours. Deux jours de voyage. Pendant 48 heures on était entre voiture, transport, avion. On était KO. En espérant que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je tiens vraiment à ce que vous me dites. Ça a été qui pour vous selon la vidéo? L'élément perturbateur, la personne qui chichi tout le temps. Dites-le moi en commentaire. Vous, vous avez une idée sur qui? Et vous inquiétez pas, les sketchs, Rabia 4, etc. Ça arrive très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous et je vous kiffe et merci la famille. Ciao.